to the new videos of Back to School with me. Guys, je suis désolée. Je suis vraiment désolée de mon absence. C'était pas voulu. C'était pas voulu, mais je savais que j'allais être absente, fait que j'aurais pu vous prévenir. But this doesn't happen. Et c'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai déménagé, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai une nouvelle maison. Donc, vous voyez, autour de moi, c'est différent. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une nouvelle maison. J'ai dû tout laisser et tout recommencer. Donc, une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle école, une nouvelle vie, une nouvelle... Ok, j'arrête. Donc, c'est ça. Mais là, I'm back for a new videos. Puis, comme je viens de vous le dire, j'ai une nouvelle école. Et aujourd'hui, c'est ma first day. Ma première journée à cette école-là, j'ai extrêmement peur. Parce que je me rappelle plus c'était comment les first day. Fait que j'ai décidé, je vais vlogger avec vous first day at a new school. Guys, j'ai peur. J'ai vraiment peur, je suis pas prête. J'ai rien. J'ai pas de cahier, j'ai pas de crayon, j'ai rien. J'ai juste un sac à dos vide. J'ai pas d'outfit, j'ai que dalle. Il est 7h45 du matin. Let's go, on se prépare. Puis écoute, on va essayer de faire de notre mieux. Hein? Puis quoi d'autre? Ben c'est pas mal ça en fait. Fait que, guys, comment allez-vous? Laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi comment vous allez. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas interagi ensemble. Donc, s'il vous plaît, guys, en commentaire, vos ressentis, comment vous êtes, comment ça va. Dites-moi, s'il vous plaît, I wanna know. Puis, yeah, so, j'espère que vous allez aimer la vidéo, comme d'habitude. Puis, yeah, let's go back to school. Ah, oh, je suis déjà tannée, j'ai pas commencé. Bon. Pour ce faire, avant de commencer, je vais juste vous parler un peu de moi, comment je vais. Dans le fond, en ce moment, ça va moyen. Okay? Je suis extrêmement stressée. J'ai beaucoup de choses dans mon cerveau en ce moment. J'ai l'impression que je suis une poule sans tête. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais au milieu, je vais en haut, je vais en bas. Ça ne va plus. Je bouge énormément. Je travaille beaucoup. C'est ça, là je commence un nouveau programme, nouvelle école, nouveau everything. L'école, je vois, j'ai 75 000 cours qui ont l'air vraiment lourds de base. J'ai pas le temps, comme pour de vrai, j'ai vraiment pas le temps. Je suis extrêmement stressée. Et là, j'essaye de vider mon sac. c'est ça, avec vous. J'espère qu'aujourd'hui, je vais prendre ça à la légère. Fait que je sais qu'il va falloir que je garde le sourire pour la vidéo. Donc, yes! So, let's go! Hello, welcome back. J'ai oublié mon soutien. C'est pas grave. Donc, first thing first, je vais vous présenter mon outfit. Dans le fond, la base de mon outfit, ça va être cette petite robe-là ici, achetée chez H&M, que vous avez déjà vu des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de fois sur moi.
Donc, je vais mettre cette petite robe-là. Pour le dress it up, j'ai deux options. Soit je mets mon petit pull comme ça qui fait très back to school, school-ish, hein? Ou this one. Genre, mais lui, il est manche long, fait que je serais pas obligée de mettre une veste par-dessus parce que if you know me, you know that I'm always cold. Fait que je me dis, tu sais, je sais pas s'il fait froid dans la classe ou pas. Donc, so, ça va être soit un des deux. Next, je sais pas s'il est trop tôt pour mettre les bas collants. I would like to put some bas collants, but je pense pas que je vais les mettre parce que j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Et pour les chaussures, je rapporte mes bébés. Some boots. Je vais prendre ceux-là parce qu'ils ont les petits lacets jaunes. C'est soit ceux-là ou ceux-là. Ceux qui ressemblent à Prada. Mais eux, j'ai l'impression que je les ai mis genre trop souvent. Tandis que eux, ça fait peut-être comme un an ou deux ans que je les ai pas mis. Donc, je pense que je vais mettre ça avec des bas blancs. Puis, yes! So, let's go, let's get dressed! Est-ce que j'ai d'autres choses? Nope. So, ça c'est l'option 1. Ok, pour mettre l'option 1, je pense qu'il me faudrait une petite ceinture. Il manque de, tu sais, une petite ceinture comme ça ici. Perfect. But I don't know if I like it or not. Non. Ok. C'est un peu plus dur à mettre. Do I like it? Ouais, j'aime mieux. Il va me manquer. Oh, j'ai déjà un collier. Ouais, je pense que j'aime ça. J'aime mes bottes. And this will be it. Je ne sens à rien, mais c'est pas grave. Yeah, fin day of school. Je vais sortir dans 10 minutes. Ok le peuple, après 15 minutes de marche, ça a été 20 minutes de marche parce que j'avais pris une petite pause. On est enfin arrivé à destination. Dollarama! Yeah! Are we ready? Je suis enfin arrivée à la destination. Je sais pas où je vais. Comme, je suis perdue. Comme, je sais même pas si c'est la porte d'entrée. Est-ce que je vais au bon endroit? Pour le vrai, je suis les humains, mais c'est tellement grand que comme... je suis perdue. Oh non, ça c'est la résidence. Oui. Comme il y a comme 5 bâtiments, je vais dans lequel. Bon, update sur ma première journée d'école.
En ce moment, ça va quand même assez bien. Je me suis perdue parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a comme 5 bâtiments. Puis tous les bâtiments, comme ils ont genre 5 étages, c'est vraiment grand, c'est vraiment immense ici. C'est facile à se perdre. But, Unigro, leur point fort, c'est qu'ils ont mis des gens qui font juste ça, te donner de l'information. Fait que c'est vraiment, c'est une très très bonne école. Comme à date, là, A1, moi, j'ai pas voulu demander de l'information. Moi, j'ai fini par demander parce que j'avais pas le choix, mais vraiment A1, ils sont très accueillants, très... J'aime vraiment l'école à date. Il y a une élève, je peux plus parler. Je viens de terminer mon premier cours. Mon deuxième cours est bientôt, genre je pense que dans une heure. J'ai plus de charge. Donc je pense que je vais arrêter de filmer, à voir quand je vais arriver chez nous. Mais sinon, yeah, it's my first day for first day. It was a good day. J'ai vraiment hâte de rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Mais j'ai mon deuxième cours tout peu. Puis pour de vrai, tu sais, d'habitude, ils font juste te donner, tu sais, le plan de cours, puis d'assez. Mais là, c'est des jeux. Comme, ils font des jeux avec les plans de cours. Fait que c'est vraiment, c'est plus interactif, c'est plus le fun. Je sais pas si c'est juste la session de bureautique qui est comme ça ou si c'est toute. Mais à date, pour le reste, c'est vraiment amusant, c'est vraiment le fun. Puis j'ai même appris à connaître quelques-uns de mes collègues. Donc, yeah, stay tuned!